Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un big haul action. Ouais, j'ai craqué. J'ai craqué. Alors, je suis allée aux actions en Belgique. Il faut prendre un rendez-vous. Elle m'a dit qu'à partir de lundi, c'était fini. Bon, c'est pas grave. Il faut prendre un rendez-vous et du coup, j'ai pris mon rendez-vous. J'y suis allée. Pourquoi je suis partie en Belgique? Parce qu'en Belgique, les rayons ne sont pas bâchés. Vous pouvez aller dans tous les rayons. Il n'y a aucune restriction de rayon, tout simplement. Vous devez juste rester que 20 minutes dans le magasin. C'est short quand même parce que j'ai oublié pas mal de choses. Mais c'est pas grave. Et puis, c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà. Je vous commence par contre par un truc que j'ai acheté vite fait aux Actions en France. En fait, c'était un truc sur le 2-2. Hein. Mon mari il me dit je vais à Action. Ah, je dis attends, je viens. Il dit oh, je te préviens, je reste pas longtemps. T'inquiète, moi non plus. Je n'en ai pas pour longtemps. J'ai couru dans le bon rayon que je voulais parce que je voulais à tout prix des brumes. Mais avant, j'ai acheté deux masques. Alors, on va commencer par celui-ci. Celui-ci, c'est un nettoyant en profondeur à la feuille de Peria. Je ne sais pas ce que c'est que la feuille de Peria, mais à mon avis, ça doit être un bon nettoyant. Hein. Voilà. Donc, c'est un crabe. Je crois que c'était 89 ou 99 centimes. Et j'ai pris aussi la tortue. Voilà. La tortue. Il faudrait peut-être que Tortue Beauty, elle en achète un. Voilà. Donc, celui-là, c'est un hydratant. C'est aux extraits de concombre. Très bien. Et du coup, j'ai eu toutes mes brumes que je voulais. Elles sont au prix de 2,22€. Donc, j'ai pris là, I am a unicorn in a field of horses. Donc, c'est, je suis une licorne dans un champ de... chevaux. C'est au cladberry et sugar orchid. Donc, je ne sais pas ce que c'est que le cladberry à part un nuage de baie. Et sugar orchid, c'est orchidée sucrée. Donc, voilà. Celui-là, c'est pas ma senteur préférée, mais ça va. Moi, j'en mets principalement le soir après ma douche. Ensuite, j'ai pris Heartbeats Fast, d'après ce que j'ai traduit pour moi, c'est des battements de cœur rapides. Les packaging, par contre, ils sont super beaux. Hein. Celui-ci est super beau. C'est Key Lemon et Stargazer. Alors là, I don't know de ce que c'est. Voilà. Celui-là, il est plus frais, mais ils sont super bons. Mes deux préférés, c'est ceci. Let me see your peacock. Donc, je pense que c'est... Laisse-moi voir ton... Enfin, je sais pas. C'est à la frangipane et à la prune. Ils sont super bons, celui-là. Hein? Oh là là. Oh, oh. La frangipane et la prune. Oh, une tuerie. En plus de ça, on parle des packagings. Franchement, même les bouchons, hein, ils sont calis. Hein. Tiens, tiens, tiens. C'est super joli, quoi. Et ensuite, on a le Toucan Play at That Game. Donc, le toucan joue à ce jeu. C'est au fruit du dragon et à la marilis. Voilà, Ace. Ah, lui, lui. Démonte. Je me boufferai. Hein. Quand j'en mets, je me boufferai. Mais bon, voilà. Franchement, j'essaye de les prendre toutes. Voilà. Ça, une tuerie. Ah ouais. Vous pouvez y aller. Et je crois même que j'irai reprendre un violet et un rose comme ça, tellement ils sentent trop bon. Alors, ça, voilà. Ah, hop. Ça, c'était la France. On va passer à la Belgique. J'ai pas été très raisonnable. Deux. Voilà. Mon mari m'a dit t'as encore exagéré. Bon, jamais. Moi, impossible. Gna 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 gna. Tu peux pas dire ça. Bref, je vous montre tout de suite, j'ai acheté une energy drink. Ça faisait un moment que j'en avais pas bu, j'en avais envie. C'était 29 centimes. C'est sans sucre. C'est pour déculpabiliser. Hein. Malgré que c'est pas bon, on déculpabilise parce qu'il y a moins de sucre. Bref. Alors, je vais garder le sachet sur moi. Ouais. Je vais garder le sachet sur moi. Je suis encore bien cadrée, ça va. J'ai acheté deux pelles. Voilà. C'est pour aller à la playa. Ouais, j'ai envie d'être en été. J'ai envie d'être en été. J'en ai marre. Donc voilà, je crois que c'était 89 centimes ou 99 centimes. Je ne sais pas me relire. Mais voilà, à chaque fois, mes nains, ils se disputent pour savoir quel qui est la pelle. Là, il y en a deux grandes. Une bleue, une rouge. Ils choisissent la couleur qu'ils veulent. C'est pas mon problème. Tant qu'ils se battent plus après, c'est le principal. Donc ça, ça va en rangement pour l'été. Dans le bac à été. Ensuite, j'ai pris des papiers transfert pour mettre sur les... aidez-moi. T-shirts.
Putain, là, vous voyez? Normalement, vous voyez. Ouais, c'est bon. Pour mettre sur les t-shirts, donc dedans, il y en a 4 à 4 pour avec des trucs lumineux qui disent. Et une à 4 pour le noir. C'était 2,99. J'ai pas regardé à l'intérieur ce que ça donne. Voyons voir. En fait, vous en avez une avec un quadrillage rouge et une avec un quadrillage bleu. Bien sûr, je l'ai fait tomber. On verra bien. Je le ramasserai après. Ensuite, j'ai fait mon petit mouton. Vous l'avez vu passer sur quasiment tous les hauls Action. Même sur Instagram. Moi, je l'ai vu. Hein. Ah ouais, 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 moi, je l'ai vu. Hein. Les boîtes de chez Kellogg's. Et franchement, elles sont assez quali, elles sont assez belles. Je trouve que la plus belle, la plus représentative, c'est la Miel Pop. C'est pour ça que je l'ai prise. C'est au prix de 2,99€. Et franchement, je trouve qu'elle est très jolie. La boîte, elle passe largement, la boîte de Kellogg's. Même si moi, je les enlève du carton et puis je vais laisser juste le sachet dedans. Je trouve ça très bien parce que le carton est toujours déchiré. Hein, leur refermage... C'est pas du refermage, hein. Le plastique toujours ouvert, ça sèche, ça... après les smacks, ils se collent entre eux, enfin voilà, c'est pas tété. Tandis que là-dedans, au moins, ça garde un minimum de fraîcheur, à l'abri de la lumière, donc c'est très bien. Je suis tentée à acheter les autres, je verrai bien en fait. Je verrai bien mon envie, comment elle va. Mais bon, voilà, 2,99€, je suis quand même assez satisfaite. C'est très bien. Ensuite, toujours de chez Kellogg's, j'ai encore fait le petit mouton. J'ai pris le Frosties. Vous voyez le Frosties, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Il n'est pas, je trouve, pas très représentatif. Mais on m'a dit... Attendez, ça glisse. On m'a dit qu'en fait, il représentait plus le Frosties d'avant. Nous, on a le Frosties des années 2000, 90 et tout ça en tête. Mais là, c'est plus quand il est sorti, vraiment, ses toutes premières apparitions. Donc, mais bon, il était quand même joli. Je pense que je prendrais... Le Smax, il est plus beau. Voilà, je pense que je prendrais le Smax, le Coco et le... Miel Pops. Aussi, comme ça, au moins, j'aurai la gamme. Les enfants auront chacun le sien. Et même le mari, parce que le mari est un grand gamin. Voilà. Et ça, c'était 1,99€. C'est pas donné, mais je trouve qu'ils sont pas mal. Déjà, avec les deux anses, même pour boire de la soupe dedans, c'est bien pratique, quoi. Voilà, ça, c'était 1,99€. Ensuite, j'ai trouvé... Enfin, j'ai trouvé... Tout le monde trouve chez Action. J'ai pris des biscuits pour le thé. En fait, c'est des lus. Il y a deux paquets dedans. Oui, c'est des paquets individuels comme ça. Il n'était pas cher, 99 centimes. Je ne l'ai pas vu en France. Maintenant, c'est possible qu'il y soit. Voilà. Tout simplement. Moi, j'aime bien manger ça le matin dans un chocolat chaud. Ensuite, j'ai pris des bulles. C'est pour ma maman. Ma maman, elle me dit, tu vas à Action, prends-moi des petites bulles pour les enfants. Comme ça, ce dimanche, quand ils vont venir... Ils pourront jouer, on ne les entendra pas pendant un petit temps. Voilà, donc j'en ai pris deux. Il y a 6 petits-enfants, donc étant donné qu'il y en a 5 dans un paquet, j'en ai pris deux. 99 centimes le paquet, c'est pas bien cher non plus. Et ça, en même temps, en période estivale, c'est un jeu incontournable pour les enfants. Et du coup, j'ai pris les recharges. Voilà. Et les recharges, c'est 69 centimes la bouteille, c'est pas cher non plus. Et j'ai déjà réessayé avec du liquide vaisselle et du savon, hein. Franchement, c'est pas du tout le même. Je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais ça revient pas du tout à la même chose. Du liquide vaisselle et de l'eau, que ça. Voilà, ça fait pas du tout les mêmes bulles. Là, vous avez des bulles assurées. Le liquide vaisselle, c'est une fois sur 50. Hein. Ensuite, j'ai pris des éponges gratte-gratte comme ça. Voilà, 39 centimes. Alors, il y avait également ce lot doré au cake. Voilà. J'ai jamais vu, c'est la première fois. Et ça, c'était 2,29€. Donc voilà, c'était pas... Ça, le prix au kilo, ça revenait au même que les galettes comme ça. Donc on verra ce que ça dit. Dites-moi un peu si vous voulez un crash test. Parce que ça, à mon avis, c'est des petits beurres, mais on verra bien. Ça, dites-moi si vous voulez un crash test. Parce que j'ai pris d'autres choses aussi. Et si vous voulez un crash test nourriture de chez Action... Je peux toujours retourner à celui en Belgique, c'est pas si loin que ça. Et du coup, je prendrai plusieurs choses que nous, on n'a pas trop en France, quoi. Si ça peut vous intéresser, dites-le moi en commentaire.
Voilà. Donc ça, on goûtera et on vous dira ce que ça dit. Certainement, du coup, dans une vidéo dégustation, mais dites-le moi. Et ensuite, on arrive à la fin, on arrive à la fin du premier sachet. J'ai pris, il y avait des trucs qu'on met derrière les téléphones comme ça. Voilà, j'en ai pris deux. Il y en a un donut et un avec des paillettes. Dans la paillettasse. Là, c'est paillettasse grise, mais il y en avait aussi avec des paillettes roses. Il y en avait avec quoi? Il y en avait un avec des toucans qui était très joli, mais après j'ai dit Céline, t'as pas 50 millions de téléphones et pas 50 millions de coques, encore moins. Donc voilà, j'ai pris ça, c'était 99 centimes, c'est pas cher, c'est joli. Je regarderai un peu les prix sur AliExpress, voir combien ça revient. Mais bon voilà, du coup j'en ai pris deux. Pour toutou cet été, il y avait ça. Donc en fait, vous le remplissez avec de l'eau ici, vous le mettez au congélateur et ça rafraîchit le toutou. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Donc on verra bien, c'était pas trop cher non plus, 1,29€, il y avait différentes formes, j'ai pris un petit toast, hein. Voilà, au moins elle n'aura pas chaud cet été. Et j'en ai repris un parce que, je vais vous dire, voilà, un planeur comme ça, vous les avez vus, ratavus, re-ratavus, c'est des anneaux gold avec un élastique et dedans vous avez, voilà, je vous ai déjà montré, j'en ai déjà un qui est déjà en place. Voilà quoi, vous avez des trucs. Il y a, le noir est encore bien présent dans les rayons, mais le rose s'en va assez vite. En fait, je l'ai repris parce que il n'est pas daté. C'est pas écrit par exemple lundi 2 mars. Non, il n'y a pas de date en soi. Donc du coup, vous pouvez l'acheter et l'utiliser en 2022 si vous avez le 2021 entamé ou en 2023. Je trouve que ça reste intemporel et qu'il est très joli. Voilà. Moi, j'utilise quand même assez bien des calepins comme ça. J'en ai un devant moi qui sert à prendre mes rendez-vous médicaux pour les écoles. Je note tout dedans, quoi. Même les anniversaires parce que j'ai une tête, voilà. J'ai pas une tête nickel, quoi. Et celui-là, il est à 3,59€. Et je trouve qu'il est quali parce que même la pochette, elle est jolie, quoi. Et c'est écrit « Dream Big ». C'est le même que l'autre. Oui, c'est le même que l'autre. Après, je suis tentée à prendre un noir peut-être pour vous le faire gagner en concours, un de ces quatre, je verrai bien. Si j'y retourne, oui, peut-être. Je pense que ça peut être intéressant pour vous parce que je sais qu'ils sont très, très vite en rupture de stock. Ça, c'était le premier sac. Je vais ranger et on se retrouve tout de suite après. Voilà, nous passons au deuxième sac. Donc dans le deuxième sac, j'ai pris, toujours pour les vacances, j'en avais pris l'année dernière et franchement, c'est bien pratique. Ce sont des bracelets comme ceci. Je ne sais pas si vous verrez bien. Donc là, c'est plus pour Tiffania, c'est des licornes, vous verrez mieux à l'endroit. Et ici, c'est des requins. Voilà, c'est 66 centimes et en fait, c'est réutilisable en plus. Vous prenez un crayon, vous notez votre numéro de téléphone. Si l'enfant se perd, on n'est jamais à l'abri. Je suis toujours aucune de mes enfants quand on s'en va quelque part. J'ai toujours peur qu'ils se perdent. J'ai toujours peur si on va à la mer. J'ai toujours peur qu'ils se noient également. Écoutez, j'ai des trucs comme ça. Ça me bouffe mes vacances hein, par moment. Mais je suis comme ça. Je veux toujours savoir où ils sont, ce qu'ils font et tout ça. Mais on n'est jamais à l'abri que deux secondes, l'enfant se barre. Ils voient un chien, s'ils aiment les chiens, ils voient un chien, vous le voyez pas, en deux secondes il est parti quoi. Enfin bref, je préfère prendre ça pour la sécurité. Donc voilà, vous le mettez au poignet de l'enfant. Et puis quand il, au moins s'il se perd, il y a toujours le numéro de téléphone. Vous mettez le vôtre, celui de votre mari ou de votre conjoint ou de votre accompagnant hein, et au moins il y a toujours quelqu'un qui peut les joindre, qui peut vous joindre si vraiment il est perdu. Après, bien sûr, on n'est pas à l'abri d'une personne mal intentionnée, mais bon. Voilà, moi, je prends toutes les dispositions. Je lâche pas les mains. S'il n'y a pas la main, je tiens la queue de Tiffania, je tiens la capuche à Dragan, je tiens les t-shirts, je tiens tout ce que vous voulez, mais moi, les enfants, ils restent généralement à côté de moi. C'est rare quand ils s'éloignent. Je sais, je suis cinglée, mais voilà, c'est comme ça. Ensuite, j'ai pris... Mais je vais montrer l'autre aussi, peut-être. Deux sortes de sacs à crottes.
Pour ramasser les crottes. Et oui, on ramasse les crottes ici. Donc j'ai pris celui-ci, c'est celui que j'ai déjà. Ils sont légèrement parfumés. Et c'est à 99 centimes. Franchement, ils sont bien, ils sont résistants. Il y a une anse pour les refermer. Et au moins, ça dégage pas d'odeur trop nauséabonde. Et ensuite, j'ai vu ceux-là, c'est des biodégradables. On va essayer. Alors là-dedans, il y en a 30. Ouais, dedans, il y en a 30. Ceux-là sont aussi à 99 centimes. Et il y en a 6 x 15. Par contre, il n'y a pas de anse pour bien les fermer. Mais bon, ils sont biodégradables. On verra bien ce que ça donne. Mais j'ai peur en fait que le sachet soit trop fin et se craque quand on met la crotte dedans. Voilà. Et ouais, c'est pas très glam. Hein. Mais bon, il faut bien ramasser les besoins de son chien. Voilà. Pour les nains, encore et toujours, on a racheté pour cet été encore des lunettes. Voilà, donc des mini pour Tiffania. Je voulais des LOL parce qu'elle aime bien les LOL, mais il n'y en avait plus. Mais bon, elles sont très jolies, les mini, je trouve. Elles sont vraiment estivales, des couleurs assez pastelles, colorées. Je les trouve très jolies. Et les Spider-Man pour Dragan. Voilà, des comme ça. Et en fait, les branches, elles sont, je sais pas si vous voyez, mais il y a Spider-Man dessus. Et là, vous avez un avec Mini et un avec Mickey. Elles étaient à 1,99€. 100% de protection UV. Ouais, voilà. Donc, c'est très bien. Ça fera l'affaire. Tout du moins pour une année. Dragan a encore celle de l'année dernière. Mais bon, elle commence à être griffée. Donc, voilà, voilà. Si ça crie, ils sont rentrés dans la maison. Hein, je vous préviens. Ensuite, il y avait dans les promotions des chaussettes. Donc, bien sûr, il n'y avait pas la taille de Morgane. Et puis même, Morgane ne prend plus des LOL ou des pas de patrouille. Je suis dégoûtée parce qu'elle n'avait plus des LOL. Donc, du coup, elle aura des pas de patrouille. C'est des sockets. Ce ne sont pas des chaussettes, ce sont des sockets. Donc, j'ai pris celle-ci pour Tiffania. C'est la taille 27-30. C'est 2,78€. On va les ouvrir. Pour vous montrer un petit peu une paire de chaussettes. Sockets. Voilà, donc vous voyez, voilà. Là c'est le dessin et là, voilà, c'est une soquette hein, pour mettre en été avec les baskets, c'est très bien. Et pareil pour Dragan, ce sont des pas de patrouille aussi. Il y avait des Spider-Man, mais pareil, il n'y avait pas sa taille. Je voulais lui prendre des sandales, plus de sandales non plus. Attendez, hop. Donc voilà, pour Dragan, des petites soquettes également, pas de patrouille avec le talon comme ça, hop. C'est très bien, 2,78€, vous avez 7 paires dedans. Oui, 7 paires de chaussettes, c'est très bien, très 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 bien. Ensuite, j'ai repris des pansements parce qu'ils sont vite partis, c'est Family Box Sensitive, vous avez plusieurs trucs, vous en avez même un qui se découpe, il y en a 50 dedans, 84 centimes, voilà. Ensuite, j'ai trouvé du scotch double face, mais pour mettre les photos, ou bien si vous faites du scrap, ça peut être hyper, hyper intéressant. C'était 32 centimes. Pourquoi je mets tout ça là alors que j'ai le sac à remplir en dessous? Ensuite, bon ça, il y en a une deuxième quelque part, mais j'ai repris des boîtes à goûter pour les nains. 1,50€ de la boîte. Là, c'est une Spider-Man. Donc, elles sont bien quand elles veulent s'ouvrir. Voilà. Elles sont très bien, dedans je peux mettre une briquette, un gâteau et quelques bonbons, ça fait l'affaire. J'ai pris également un masque pour les yeux qu'on peut mettre au frigo et c'est avec, en fait c'est des petits gels dedans, voilà, c'est ceci. Il était à 99 centimes, on va l'ouvrir voir ce que ça donne parce que je ne l'ai pas ouvert. On peut le remettre dans son packaging parce qu'il est refermable. Vous avez la petite notice et voilà, en fait ça fait des petites perles comme ça. Derrière c'est en tout doux et vous le mettez au frigo, vous le mettez sur votre face et normalement ça doit avoir un effet refroidissant sur vos yeux pour apaiser vos yeux. Je trouve que ça c'est très bien en été, même en hiver hein, mais plus en été. Donc voilà. On verra si ça tient bien, mais 99 centimes. Il y avait d'autres motifs mais là, enfin... Dans le action dans lequel je suis allée, il n'y avait que ce motif-là. Sinon, il y a d'autres motifs. Je crois qu'il y a un bleu et un rose aussi.
J'ai repris une paire de boucles d'oreilles. J'ai trouvé très jolie. Il y a un fil qui dépasse. Voilà. J'ai trouvé très jolie, très estivale aussi. 99 centimes. C'est très bien. J'ai repris de la vaseline 1,49€. Et ici, maintenant, ça devient un incontournable pour tout. Écoutez, il y a une dame, qui, Odile, si je me souviens bien, c'est Odile, qui m'a donné, qui m'a dit, quand tu as tes yeux sensibles avec des petites sécheresses, essaye de mettre de la vaseline, et c'est vrai. Et franchement, ça fonctionne. C'est gênant, je ne vous cache pas que c'est gênant, mais ça fonctionne parce que mes yeux se sentent mieux. Donc, du coup, j'en ai repris un. Et puis, même pour le maquillage, c'est très bien pour vous nettoyer votre cut crease. Voilà. Puis même, on a plusieurs utilités avec de la vaseline. N'ayez pas l'esprit mal tourné quand même. Mais bon, il y a plusieurs utilités. Ensuite, j'ai pris un toner de la marque Elvira Skincare. Donc, c'est un toner rafraîchissant pour tous les types de peau. Je l'ai payé 1,49€. Voilà, c'est juste pour, voilà, pour le visage. Alors, j'ai repris ceci. C'est une huile, un traitement à l'huile d'amande avec de l'antioxydant pour les lèvres. Voilà, 98 centimes. Mon mari m'a dit, si t'en revois, tu peux en reprendre. Parce qu'il avait ses lèvres légèrement gercées, qui le piquaient, qui le tiraillaient. Et un ami m'a dit, c'est une tuerie, en rachète-en. Ok, ça va, il y avait des lèvres bien pulpes. On a bien rigolé quand même ce jour-là. Mais bon, voilà, je lui en ai repris. 98 centimes, si ça fonctionne, c'est très bien. J'ai pris également pour retrouver mes clés. Je suis toujours à la recherche de mes clés. Il devrait en faire un pour téléphone. On peut même le mettre sur les chiens. Très bien. Enfin bref. Voilà, c'est ça. C'est un pour... Vous en mettez un sur vos clés. Vous avez un détecteur avec vous, si vous ne l'oubliez pas. Et comme ça, au moins, vous ne perdez plus vos clés. Pas comme Céline. Céline, elle cherche tout le temps. Et je crie en plus. Je me crie dessus. Ah non, même pas. En fait, vous en avez un et il se connecte par Bluetooth. C'est bien ça. C'est par Bluetooth, donc vous l'activez. Oh, c'est bien tout à fait. Écoutez, très bien, satisfaite. J'ai pas payé cher, en plus j'ai payé ça combien? 1,89€. Parfait, on regardera la notice. Ensuite, j'ai pris, pour donner du volume à mes cheveux qui sont tout plat, j'ai pris un volume spray. Bon, pour les cheveux gris et blonds, hein, j'ai commencé à avoir des blancs, donc ça passe. Hein. C'est de la marque Salon Professionnel, c'est Silver Care, enfin bref. Qu'est-ce qu'ils disent? Spray à l'extrait de soie aide à réduire les reflets jaunes et donne aux cheveux une brillance naturelle et du volume. Pulvériser une distance, donc on verra bien ce que ça donne. Voilà, je ne l'ai pas payé bien cher non plus, 1,99€. On verra bien ce que ça dit, surtout que je me tâte à me refaire des mèches blondes, donc on verra bien. Ensuite, étant donné qu'il y avait la guerre pour un frisbee à la maison, ben du coup, on en a racheté deux. Il tombera pas plus bas. J'en ai racheté deux, 89 centimes, c'est très bien, ça fait l'affaire, ça amuse les enfants, et il n'y a plus de bagarre. C'est magique. J'ai trouvé des nouveaux bonbons, donc c'est de la marque Bebeto, c'est des Wacky Sticks. Aux fruits, voilà, des cotons. À 95 centimes, on goûtera, on verra. Ça peut faire partie aussi de la vidéo dégustation. Des strass en étoile pour mettre peut-être dans un bullet ou dans un calepin comme ça, pour donner un peu plus envie. Donc voilà, ils étaient comme ça. 79 centimes, c'était les plus jolis, je trouve. Ouais. J'ai pris un lot de 3 peignes pour... Ça peut toujours servir et puis c'est pas bien cher. C'est 49 centimes. On met ça dans la trousse et c'est nickel. Voilà. La deuxième boîte à goûter. Et là, c'est Reine des Neiges. Ils vont à la vaisselle. Oui. Ils vont à plus 100 degrés et à moins 20 degrés quand même. Donc, vous pouvez même les mettre dans le congélateur. Je le ferai pas, mais bon. Ensuite, pour aller dans la piscine chez ma maman, j'ai pris ça. Feignasse, bonjour. Oui. Voilà, donc en fait, c'est un matelas. Vous avez juste votre cul qui trempe, la tête qui est retenue par un boudin et les jambes aussi. C'est la couleur bleue. Je n'avais même pas vu qu'il y avait des couleurs. Sinon, j'aurais pris rose ou vert.
Ouais, moi j'aime bien le rose. Donc voilà, j'ai trouvé ça pas mal. Ça fait 128 sur 80. Et vous voyez, vous pouvez le plier. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, vous voyez. Vous pouvez le plier, le mettre sous le bras, ça passe nickel. 2,99. C'est pas si cher, hein. Je te mets. On arrive à la fin. Toujours de la bouffe. Des spéculoos lotus. Alors ça c'est une tuerie. Et je les ai pris parce que c'est des sachets individuels par deux. Voilà. Donc eux, ils sont à 1,95. Et en plus de ça, ils n'étaient pas chers au kilo. Et ensuite, j'ai pris trois boissons. Alors, ce sont des boissons énergétiques de la marque The Energy Drink. Qui m'appelle? Non, c'est pas important. The Energy Drink. Donc, vous avez à goût tropical. Donc, comme ceci. Vous avez un goût fruit du dragon. Et un au blueberry. C'est les myrtilles. Hein. Voilà, blueberry. En plus de ça, ils sont très jolis, je trouve, les boîtes. Franchement, elles sont super jolies. 49 centimes. On goûtera. On pourra même mettre dans la vidéo dégustation. Voilà, on goûtera tout ça. C'est fini, j'ai fini la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi un petit peu si la vidéo dégustation du coup vous intéresse. Je vous ferai un haul bouffe action avec dégustation si c'est le cas. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un pouce en l'air. Si vous n'êtes toujours pas abonné, vous pouvez vous abonner. Ça fait plaisir. Vous êtes le ou la bienvenue chez moi. Je vous accueille avec plaisir dans mon monde, dans ma vie où il y a des engueulades, des rires, de la joie, de la bonne humeur, de la tristesse aussi. Par moments, ça arrive. Hein. Tout le monde n'est pas toujours tout beau, tout rose et tout gentil. On ne vit pas dans un monde de bisounours. Non. Donc voilà. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Et on se dit à la prochaine vidéo. Bye!